Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis trop contente de vous retrouver. Je suis toujours contente de vous retrouver, mais c'est vrai en plus, vous savez, je mens pas. Genre, quand je tourne pas, au bout d'un moment, il y a un manque. Vraiment, il y a un truc qui se passe. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'artiste Disney. Oui, et pas n'importe qui, Anna Alexander. Donc comme vous pouvez voir là, nous sommes sur son DeviantArt. Et cette meuf est incroyable. Alors, elle a fait plusieurs styles de relooking Disney. Il y aura apparemment, parce que j'ai demandé à une amie, comme d'habitude, de me faire le medley d'images, n'est-ce pas? Il y aura un croisement de deux styles différents dans ce qu'on va avoir là. Il n'y a pas énormément de photos, mais ça va être assez révélateur. C'est en général, bah, vous pouvez avoir un petit aperçu ici, en tout petit, des relookings donc, de Disney en princesse, donc en carte de tarot. Et ce qui est super intéressant, que du coup je n'ai pas encore vu, mais sur son DeviantArt, vous pouvez voir un descriptif des cartes. Il y a beaucoup de symbolique apparemment. Genre, par exemple, je sais pas s'il y a eu telle fleur, ça veut dire telle chose. Enfin, il y a une vraie recherche en fait, une vraie signification. Et je trouve l'idée passionnante en fait. Bon, là, j'ai pas pu lire les descriptions parce que sinon, forcément, je me spoil les dessins. Mais je vous mettrai bien sûr le lien du DeviantArt et sur son DeviantArt, vous voyez, il y a tous les liens de ses autres réseaux. Comme ça, vous pourrez aller voir par vous-même pour avoir plus de détails, tout simplement. En tout cas, je propose qu'on attaque tout de suite. J'ai vraiment hâte de voir de plus près ce qu'elle a fait. J'ai juste pu voir une seule illustration pour le moment, donc j'ai très très hâte de voir le reste. Et on commence en beauté. Waouh, c'est trop beau. On a Jasmine. Je me demande, ah oui mais j'ai le nom, alors du coup ce qui est cool c'est que ma pote elle a fait ça super bien, elle m'a mis le nom qui résume la carte, là par exemple c'est la passion, c'est le nom qu'elle a donné, après pour la symbolique j'ai pas le détail, c'est juste le titre de l'image, hein. Mais du coup au moins on sait ce que ça symbolise et je trouve ça tellement beau, le tigre est sublime, c'est Raja évidemment, hein. Et Jasmine est trop trop belle, elle fait vachement réaliste en fait, et très très classe, très très sereine. J'adore, elle est super zen en fait. Alors, d'habitude dans le dessin animé, Jasmine elle a plutôt un tempérament de feu, hein, voilà. Et je la trouve trop jolie. J'ai vraiment hâte de voir les symboliques, etc. Je suis trop curieuse. Le tigre est magnifique. Le tigre est magnifique et tellement classe. J'aime beaucoup aussi la petite couronne de fleurs au lieu de mettre la couronne, le diadème et tout. Elle fait beaucoup plus détendue. En fait, on reconnaît pas forcément que c'est une princesse là, tu vois, même elle est un peu en mode survette et tout. J'aime beaucoup, elle est très très belle. Tiana, waouh. En fait, ce que j'adore, c'est qu'elles sont toutes super zen. Là, le nom de celle-ci, c'est Persévérance. Ça va bien, Tiana. Ça va très bien, Tiana. Et la couronne de fleurs, là, elle rend tellement bien. Regardez, elle met le petit peloton dans l'eau. Ah, c'est trop beau. Je sais pas, je trouve ça. C'est peut-être parce que je tourne fin de journée, parce que vous savez, je peux pas tourner la journée. Je suis obligée de tourner, bah ouais, fin d'après-midi, parce que j'ai des travaux la journée. Et du coup, je suis un peu fatiguée, un peu calme, là, tu vois. Et du coup, je sais pas, ça m'apaise de fou. Je trouve vachement apaisant et tout, et j'aime beaucoup les petites références à Rey et aux Lucioles qu'il y a derrière. Puis bien sûr, il y a sa robe verte quand, quand je spoil pas à la fin, mais voilà, voilà, hein, voilà, vous avez compris. Mais elle est très très belle, très zen. Je sais pas qui je préfère pour le moment entre elle et Jasmine. Ça va être compliqué d'avoir un favori, je pense. Je compte sur vous, hein. Comme d'habitude, vous pouvez me faire un top 3 ou plus si besoin, si vous n'arrivez pas à condenser ça en 3, mais je sens que ça va être très compliqué. Puis elle a une peau toute belle, toute lisse, je sais, c'est un détail, mais j'adore. Oh, réponse. Oh, elle est trop mignonne. Elle est trop chou. J'aime beaucoup. Bon, évidemment, les longs cheveux avec les fleurs, c'est garanti. Mais en fait, ce que je trouve trop beau, c'est qu'elle leur a mis des robes super épurées à toutes. En fait, elles font un peu des... On dirait un peu des nymphes. Et le nom de réponse, c'est Freedom. Liberté, bien sûr. Alors, s'il y en a une à qui ça va bien, ces réponses, hein, franchement. Donc ouais, je trouve qu'elles font toutes vachement... ouais, naturelles. Tu sais, vraiment, ouais, comme des nymphes ou même des filles simples, en fait. Sans, en oubliant le côté bling-bling. Il y a des fleurs, il y a la nature, c'est... C'est trop beau, je trouve ça trop apaisant. C'est détente ce matin pour vous, hein. C'est... Oh, elle est belle. Les fleurs roses rendent trop bien. Ah, d'accord, ok, donc là on a l'autre style. Donc là il n'y a pas de nom spécialement, c'est l'autre style. Donc c'est un des autres styles de cette illustratrice. Et elle a également fait les princesses apparemment comme ça. Du coup c'est bien, elle m'a mis en successif les deux. Donc on peut revenir en arrière deux secondes. Donc là c'est la réponse en mode carte de tarot. Et là c'est l'autre style de réponse, je la trouve magnifique. Là c'est beaucoup plus romantique. Tu vois, je trouve c'est vachement, vachement bucolique. Bah, y a encore les fleurs et le côté simple avec la robe. Mais y a vraiment, je trouve, le côté... ça fait vachement plus princesse, tu vois. Je trouve qu'on ressent vraiment le côté femme, plus féminin, ouais. Plus... Y a plus de féminité, plus de romantisme. Je l'adore. Je sais pas qui vous préférez, je vous mets un petit sondage, entre la version tarot et la version romantique. Bon, je mets ça comme nom, je sais pas comment dire ça autrement. Moi, je pense que c'est celle-là. J'aime vraiment beaucoup, elle fait un peu déesse grecque. Elle est magnifique. Et la forme du corps fait un peu plus réaliste aussi. Enfin, j'aime vraiment beaucoup celle-là. Puis toutes les fleurs et tout. Oh, c'est beau, hein. Oh, c'est beau. Ça donne envie d'être à la campagne, dans un pré avec plein de fleurs et de regarder les nuages et tout. Je sais pas, j'aime bien. Et on a une clé ici. Bah, c'est peut-être aussi Freedom, du coup. Ça, je pense que c'est le même symbole, en fait. C'est peut-être juste qu'elle a relooké la carte, en fait. Je sais pas. Oh, on a Belle. Je suppose, en tout cas. Hein. Y a pas de preuve, mais... Là, le nom, c'est Ambition.
ambition. Ça lui va bien, Abel, aussi. Effectivement, comme elle a des ambitions de liberté, elle veut partir, etc. Elle a des rêves, en fait, qui la poussent plus loin que ce qu'elle est. Et je trouve le dessin trop beau. Encore une fois, c'est calme, quoi. Je sais pas. Ou alors, je sais pas. Pourtant, j'ai rien fumé, je vous promets. Je sais pas, je trouve ça détend de fou. Et la robe, encore une fois, très épurée. Bah, de toute façon, c'est un peu tout dans le même style, hein. Évidemment, elle lit un énorme bouquin. Ça lui va trop bien et elle a l'air très doux. J'aime beaucoup. Ah, une nouvelle version, super. Elle est trop belle. Les roses, évidemment, rose rouge, le château du prince qui est au loin. Je sais pas, vous trouvez pas que c'est calme? Je sais pas. C'est, ouais, c'est tellement apaisé. Donc il y a le miroir de la bête, c'est un très beau clin d'œil. Évidemment, le titre marqué en haut. Oh, c'est trop joli. Je trouve ça trop trop joli. J'aime beaucoup. Pieds nus dans les roses, ça doit piquer quand même, hein. Et là, encore une fois, qui vous préférez du coup entre version tarot et version romantique? Là, c'est pas facile parce que j'aime beaucoup l'expression de son regard. Là, j'ai un petit coup de cœur pour l'expression de son regard, mais là, le décor et tout, je crois que c'est version romantique qui gagne. Quand même, je pense que j'ai le petit cœur qui part pour la romance, hein. Elle est très belle, très douce. Oh, je l'adore. Vous allez pas me croire, mais c'est mon coup de cœur. Non, mais c'est pas. Je vous jure, je fais pas exprès d'avoir des coups de cœur sur Blanche-Neige à chaque fois, hein. Mais elle est trop belle. Oh, j'adore. Et c'est quoi son nom? Innocence. Innocence, le nom de la carte. Ça rend trop bien. Bon, alors les fleurs, ça on a compris qu'elles y sont partout, mais je trouve, je sais pas, la posture qu'elle a, l'air, l'expression de son visage, elle fait un petit peu espiègle, un petit peu, bah pour une innocente, elle est pas tant que ça, et j'adore le look qu'elle a, j'aime trop le... En fait, je trouve que Blanche-Neige, elle est vraiment à chaque fois relookée, mais divinement bien, quoi. Je pense que c'est parce que les illustrateurs, en fait, lui mettent plus de caractère que ce qu'elle a de base, du coup, ça me match plus, en fait, ça me parle directement plus, et je la trouve trop belle. Ah, je sais pas, je trouve, ouais, elle a un côté un peu... un peu espiègle, un petit peu... On voit le caractère, quoi. Elle est trop stylée, je l'adore. Alors, pour le moment, coup de cœur. Oh, Mulan! Trop cool! Alors, le nom de la carte... Ah, il y a marqué été. Donc, je ne sais pas si c'est du coup, encore une fois, une carte de tarot ou si c'est autre chose. Je ne sais pas. En tout cas, c'est Summer, le nom. Donc, on a des petites... Ah, c'est des quoi? C'est des carpes koi, ça, je crois. J'avais une application pour jouer à ça au moment où tu nourrissais tes carpes et tu faisais des bébés carpes. Voilà, ça me fait penser à ça. Elle est très belle. Encore une fois, elle est très douce. Alors, je reconnais pas spécialement Mulan parce que là, elle a une forme de visage très ronde alors que Mulan, elle a quand même un visage assez anguleux. Mais je la reconnais pas par rapport au visage. Sinon, effectivement, la tenue, c'est assez clair que c'est elle. Mais elle est très belle. En fait, pour moi, là, c'est plus une femme japonaise et qui a une autre vie. En fait, je reconnais pas spécialement Mulan. Ça se trouve, c'est pas elle d'ailleurs. Ça se trouve, c'est une autre une meuf asiatique. Mais je pense que ça doit être Mulan parce que si ma pote l'a pris, c'est que ça devait être dans la même ligne. Enfin, tu vois, dans la même galerie, je sais pas. Mais j'aime beaucoup. Encore une fois, c'est très doux, très délicat. On sent vraiment, ouais, le côté élégante, je trouve, de la femme là. Très gracieuse, voilà, c'est le terme que je cherche, gracieuse. Moi, je suis pas spécialement gracieuse comme meuf, je suis pas la pire, mais je suis pas la mieux, tu vois. Mais là, tu sens qu'elle, limite, elle mange et c'est genre un spectacle à regarder tellement c'est élégant, tu vois. Non, j'aime beaucoup. Est-ce que les fans de Mulan, vous êtes satisfaits? Vous en pensez quoi? Parce que je sais que les fans de Mulan, vous êtes souvent en désaccord avec la façon dont les artistes la dessinent, donc là, je suis assez curieuse. Oh, bah une autre Mulan. Bah voilà, bah encore une fois. Bon là c'est pas vraiment vision romantique, mais vous préférez quoi entre vision tarot et vision romantique? Mais je la trouve sublime. Alors là je la préfère, moi je préfère celle-là. Je préfère celle-là très très largement. Là je reconnais Mulan en fait. Déjà outre le fait qu'il y a la tenue, il y a l'épée, donc vachement symbolique quand même, parce que c'est voilà, c'est ce qui fait tout, c'est avec ça qu'elle coupe ses cheveux, c'est avec ça qu'elle se bat, enfin voilà, c'est tout un symbole. Il y a la petite fleur que son père lui met dans les cheveux au début. Et même je trouve que niveau expression, il y a vachement de caractère là, tu vois. Encore, c'est un peu comme Blanche-Neige en fait. Je pense que deuxième coup de cœur. Je mettrais peut-être à égalité avec Blanche-Neige, je dois dire. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se dégage du dessin en fait. Il y a une expression déterminée, un peu espiègle en même temps, parce que Mulan est smart techniquement, elle est cool, hein. Et ouais, j'aime beaucoup. Et la robe est trop belle. Et non, là, je reconnais la princesse et j'aime ce qu'elle en a fait, vraiment. Qui c'est ça? Ariel? Est-ce que ce serait pas Ariel? J'ai pas le nom de... Alors je sais que c'est Rebirth, le nom de la carte, donc je pense que c'est Renaissance. Donc ça se maintient avec Ariel du coup, vu qu'elle sort de l'eau pour devenir une humaine et avoir des jambes. Et ça a fait penser à sa robe en drap, tu sais, en drap qu'elle porte. Mais après, de toute façon, en Princesse Rousse, il y en a pas 50, donc oui, je pense que c'est Ariel, hein, avec encore des carpes koi partout. Elle est très très belle. Et en Rebirth, ça lui va extrêmement bien. De toute façon, Ariel, c'est un peu ça, c'est une renaissance. Toute son histoire, c'est une renaissance. Hein. Elle passe complètement à une autre vie. Enfin, c'est pour ça que je l'admire aussi beaucoup, Ariel. C'est parce que c'est un peu ce qu'on lui reproche également, genre de lâcher toute sa vie pour un prince qu'elle connaît pas. Mais moi, je trouve que ça demande un courage insensé, en fait. Parce que le truc, c'est qu'elle lâche pas tout son univers juste pour son prince. C'est un peu le prétexte, parce que elle a toujours été attirée par la terre ferme, en fait. Donc, par l'humanité, par notre société, en fait. Donc, moi, je l'admire pour ça. Parce que purée, on est combien à avoir des rêves et à jamais oser les réaliser par peur de choquer ou pas peur de faire des mauvais choix. Elle y va et ça j'adore. Enfin, donc ouais, je pense que c'est Ariel. Je vois pas qui ça peut être d'autre. De toute façon, avec les cheveux comme ça, etc. Et je la trouve magnifique. Je la trouve magnifique
Je l'aime beaucoup. Encore, alors, par contre, en forme du visage, je la reconnais pas. Encore une fois, c'est marrant. Mais je la reconnais par les cheveux, la position, etc. Enfin, la robe. Mais sinon. Ouais, en forme de visage, Ariel a le visage plus rond pour le coup. Comme la fille qui est relou. Mais je la trouve trop belle. Magnifique. Puis la, ouais, la Renaissance, ça lui va très bien. Ah, bah une autre Ariel. Bah, il y en a deux aussi, bah, décidément. Et bah, alors là, on la reconnaît plus. Je trouve que clairement, on la reconnaît plus. En plus, en mode sirène et partie de votre monde. Ouais, j'aimerais bien qu'elle fasse partie de notre monde, Ariel, pour de vrai. Elle est tellement mignonne. Et il y a Sébastien, c'est trop mignon. Il y a Sébastien qui est là. Bon, il est drôle de gueule, Sébastien, par rapport au dessin animé, mais c'est trop beau. Ça, ça fait un peu pub vintage, je trouve. C'est un autre. Bah, encore, c'est encore un autre style. Hein. Et là, il n'y a pas de nom. Là, il n'y a pas de nom, c'est juste Ariel. Enfin, elle m'a juste mis Ariel, ma pote. Mais non, non, c'est trop stylé. Elle est très. Mais ouais, je trouve que ça fait un peu pub vintage des années 60-70, ou tu sais, je sais pas, ça me fait penser. Ou genre une marque de bière, je sais pas. Mais elle est trop belle. Et avec les petits poissons tout autour et tout, ça rend trop bien. J'aime bien le requin. Je sais pas si c'est le requin. Non, c'est des poissons, ça doit pas être les requins. Je sais pas parce qu'il y a un truc sur le dessus, mais bon. C'est des carpe-coil, il y a du requin, je crois qu'il y a un peu tout plein de variétés. Il y a pas Polochon, pour Polochon. Alors c'est plein de Polochon. On sait pas. C'est vrai qu'Ariel, on sait pas si elle a d'autres potes. Enfin, il y a la suite, la petite sirène 3 où on sait qu'elle a pas d'amis, mais je veux dire, dans la petite sirène de base, on sait pas si elle a d'autres potes que Polochon. Hein. Oh, magnifique, Elsa. Waouh. Ah non, mais c'est d'un raffinement, c'est un truc de fou. Regarde tous les petits détails, là, c'est un peu toile d'araignée et en même temps lustre, c'est trop trop beau. Bon, les fleurs là. Et je trouve que c'est des personnages, non? Et là, la pluie de neige, enfin de glace qu'il y a, qu'elle a en bijoux autour d'elle, c'est trop beau. C'est tellement délicat. C'est vraiment une découverte tout en finesse aujourd'hui. Je suis super contente de la découvrir, cette femme. C'est incroyable ce qu'elle fait, ça me parle beaucoup. En fait, ça me. C'est vraiment des dessins qui me touchent, tu vois. Je sais pas, en tant que femme humaine de notre époque, je sais pas. Mais ouais, il y a vraiment. C'est pas juste que je trouve ça beau, tu vois, comme c'est toujours le cas. Mais là, il y a vraiment un petit côté sensible qui, tu vois, qui me parle. Mais ouais, très très beau. Et le petit message en plus qu'elle parle aux oiseaux, enfin, le côté oiseau qui rappelle le printemps, qui sont la Renaissance en même temps et qu'elle l'accepte, enfin, c'est très très beau, vraiment. Oh, et on finit par la plus belle. Waouh, Megara. Elle est trop belle! En plus, la pose, elle est trop cool parce que c'est quand Philoctète la drague. Et tu sais, quand il fait. Et puisqu'on en parle, joli môme. Moi aussi, je suis réelle. Et du coup, elle le pousse et puis elle se recouvre comme ça. C'est exactement ce moment-là, ça rend trop bien. Et elle est tellement classe. Alors là, elle semble vachement digne. En fait, elle fait vachement plus. Ouais, digne et respectable. Gros guillemets, mais j'ai pas le terme. Que la mec dans le dessin animé où elle est beaucoup plus nature brute de décoffrage franche. Là t'as limite l'impression, tu sais, tu vois ce que je veux dire, de voir une femme genre une mère de famille qui en impose dès qu'elle ouvre la bouche en mode dis donc faites pas ça ou machin, enfin tu vois, je sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire, mais je la trouve vachement ouais vraiment comme les femmes en fait grecques de l'époque, un peu comme on les représente, tu vois, genre assez distante, assez à ce qui gère son foyer et tout, enfin bon elles sont pas toutes représentées comme ça mais dans le cliché de la matriarche, tu vois. Et elle est magnifique, elle est très 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 belle, encore une fois très gracieuse, la pose est sublime et ça a pas dû être facile à tenir d'ailleurs pour elle. Mais non non, mais je la trouve magnifique. Le soleil qui se lève derrière qui rappelle le moment où Hercule il chante quand il est ado, quand il dit qu'il aimerait découvrir un monde qu'il accepte, etc. Je trouve que ça renvoie tellement ça parce qu'au final c'est Meg son monde au final. Oh, c'est tellement beau, ce film est tellement beau, vous voyez Hercule absolument. Et du coup cette carte elle a un nom et c'est repentir, enfin repentance, donc je pense que c'est ça le regret, le repentir je pense. Mais j'ai adoré cet artiste, oh, j'ai passé un moment de fou là, c'est passé très vite. Alors, je pense que cette vidéo va être assez courte quand même parce qu'il n'y avait pas beaucoup de dessins et j'ai aucune raison de passer 4 heures sur chaque dessin non plus, mais j'ai vraiment passé un très bon moment. Pour moi c'était une excellente façon de finir cette journée, pour vous de la commencer du coup j'espère, vu que la vidéo sort le matin. Et ouais, c'était très doux, très poétique et j'ai adoré. Donc écoutez, je vous mets le lien du DeviantArt de Anna, genre c'est ma pote, dans la description. De ce que je peux voir sur la page d'accueil, il y a également le lien pour son Instagram et toutes ses pages en fait. Donc si vous voulez la follow sur l'un ou l'autre des supports, n'hésitez pas. Moi je pense que je vais la suivre sur Insta. Parce que DeviantArt en fait, j'y suis pour repérer les gens ou les créditer, mais j'y passe pas beaucoup de temps. Alors qu'Instagram, j'y passe ma life, hein, clairement. Du coup, je vous fais d'énormes bisous. J'ai passé vraiment un excellent moment avec vous. Je suis complètement claquée d'un coup. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai un coup de barre qui vient de m'arriver. Ça doit se voir. Ah, mes yeux, oui, ça se voit. Je sais pas. C'est... En fait, j'ai vraiment vu ça en mode comme avant d'aller me coucher. Je sais pas, c'est... pourtant il est tôt, il est 19h hein, là où je tourne, donc ça va normalement, mais je sais pas, ça m'a grave détendu.
genre du yoga de l'esprit, tu vois, je sais pas. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé, en tout cas n'hésitez pas à me dire celle que vous avez préférée. Moi, comme je vous l'ai dit, ça sera Blanche-Neige et Mulan, et peut-être Megara en top 3, voilà, si je dois vraiment choisir 3. Mais je trouve qu'elles avaient vraiment quelque chose en plus, tu vois. Elles sont toutes très belles, très douces, très élégantes, mais ces 3-là avaient vraiment quelque chose. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, j'ai hâte de voir vos avis, comme d'habitude, vous savez que j'adore vous lire et vous répondre. Je vous aime très fort, merci d'être là et de faire ma vie ce qu'elle est, voilà. C'est l'instant poésie, donc j'ai envie de vous le dire, voilà, je suis vraiment heureuse grâce à vous et vous m'avez totalement équilibré ma vie. Bah maintenant c'est mon boulot YouTube, mais même en dehors de ça, vous m'avez apporté énormément en tant que femme, donc merci, 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 et je vous aime, voilà, c'était juste, j'avais envie de le dire, donc je le dis, voilà, j'ai pas besoin de faire une vidéo spéciale pour vous dire que je vous aime, hein. En tout cas, je fais d'énormes bisous, passez une très bonne journée, demain on se retrouve pour le secret d'Henri, et bien sûr, en attendant, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka.